Une prouesse pour certains, un exploit pour d'autres. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la victoire retentissante de Jérémy Flores en championnat du monde de surf. Il faut dire aussi que c'est la première fois qu'un surfeur tricolore remporte une étape du Billabong Pro Tahiti sur la vague redoutée de Tiupo. Le Réunionnais de 27 ans a éliminé notamment en quart de finale la légende vivante Kelly Slater, 11 fois champion du monde, et en finale, le jeune prodige brésilien Gabriel Medina, vainqueur sur la même vague l'an dernier et champion du monde en titre. Il n'y avait pas beaucoup de vagues. Je pense que tout s'est joué au début de la finale. Mais je n'arrêtais pas de regarder les montagnes et tout, et je me disais franchement, même si je perds cette finale, c'est le paradis ici. Je suis le mec le plus chanceux du monde. Un rêve qui se réalise pour celui qui surfe avec un casque après une blessure à la tête provoquée lors d'une chute sur une vague indonésienne en juin dernier. Il s'agit de la deuxième victoire la plus prestigieuse de Jérémy Flores en championnat du monde après celle de la Pipeline Master en 2010. En demi-finale et en finale, il a même bénéficié de quelques conseils du maître Kelly Slater qu'il venait pourtant d'éliminer. Les vagues de Tiupo peuvent parfois atteindre 10 mètres de hauteur, mais les phases finales se sont disputées dans des vagues rares, culminant à 2 mètres seulement et dans de mauvaises conditions météorologiques. J'ai recommencé à prendre du plaisir, à m'amuser en surfant et à avoir faim, comme avant. Et c'est ce que j'ai fait cette année. J'y vais pour gagner. Mais si ça n'arrive pas, tant pis, tout va bien, tout va bien. Mais Jérémy Flores a fait preuve de son sens tactique et de sa patience en prenant très peu de vagues, mais à chaque fois les meilleures. Après une année 2014 décevante, terminée à la 33e place, gâchée par un conflit d'arbitrage qui lui avait valu une suspension, le protégé de Kelly Slater se retrouve désormais 7e au classement mondial.